Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Little Nightmares, petit jeu dont on aura beaucoup entendu parler ces derniers moments. Alors, attendez, t'as mon téléphone qui joue les perroquets comme d'habitude, faut que je me mette dans le bain, désolé pour ça. Donc je répète, eh bien oui, nous sommes sur Little Nightmares, mais alors je précise que c'est le premier épisode, et non le second qui vient de sortir, hein, qui donc fait un peu parler de lui ces derniers temps. Une série que je connais pas du tout, Little Nightmares, je n'ai pas joué le premier, donc c'est vraiment la première fois qu'on va... Enfin, ça va être une totale découverte avec vous. Alors vous voyez que j'ai déjà entamé une partie, mais c'est vraiment les deux premières minutes, afin de voir que le jeu tournait bien, etc., qu'il n'y avait pas de glitch et pas de problème. En prévision de ce live, donc à partir de ce moment-là, ben, au-delà des deux premières minutes, ce sera une découverte totale, voilà. Et donc, je ne connais pas du tout cette série, mais il me semble, de ce que j'ai pu en voir, eh bien, qu'elle dérivait hein, véritablement des productions Playdead que vous avez certainement connues, à savoir Limbo et Inside, qui sont deux jeux que j'aime beaucoup, et qui m'ont laissé un souvenir assez, assez fort. Voilà, je crois d'ailleurs que le studio Playdead est en ce moment même en train de préparer quelque chose d'autre. Donc c'est à voir, je pense que j'avais vu le titre hein, du jeu qui est en prévision chez Playdead, mais celui-ci m'a échappé, je ne me rappelle pas. En tout cas, très curieux de découvrir ça, parce qu'évidemment, les deux premiers jeux du studio m'avaient fortement impressionné. J'adore ce genre d'ambiance assez, je sais pas, assez dark, voilà, avec une espèce de mélancolie. Enfin voilà, on va voir tout ça ensemble. Il me semble que c'est à peu près le même délire sur Little Nightmare. Donc on se lance, hein, la première partie, la partie précédente que j'avais entamée, c'est vraiment le premier tableau, j'ai rien fait, donc c'était pour voir. Lançons ça ensemble, sélection de chapitre, ah, tiens, bizarre. Je vais juste regarder ça, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ce serait un jeu non linéaire? Ah non, d'accord, voilà, effectivement c'est verrouillé. C'est logique puisqu'on n'a jamais joué le jeu. Eh bien, on va commencer par le début, commencer par le commencement. C'est mieux. Alors, je mets mon petit téléphone en place pour pouvoir commencer tout ça et nous y allons. Oui, j'ai fait 3 minutes 47 exactement. Donc, choisir une sauvegarde. Ouais. J'ai bien choisi une nouvelle partie, hein, je pense. Ouais. Comme ça, on va écraser. Parfait. Parfait. Salut à tous. Le Dottore. Le Djangounet, ils sont tous là. La famille Schmoll. Enfin, ils sont pas tous là, mais ils sont là. Les plus importants sont là. On ne dira pas aux autres qu'on a dit ça. Pas faire de jaloux. Vous savez quoi? Je vais éteindre la lumière dans mon living parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui se joue dans le noir, comme une chauve-souris. On dirait une sorte de geisha des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Ah, je me cogne encore une fois. Vous me direz si le son va bien? J'ai équilibré X-Split, hein, du coup. Exceptionnellement pour cette fois, mais pour une question purement pratique. C'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir accès à mon mélangeur de son du PC une fois que Steam est lancé, en fait. C'est un peu étrange, ça aussi. Une fois que Steam est lancé, il prend tout l'écran et vous ne pouvez plus sortir de Steam. Enfin, moi, je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être ne suis-je pas très adroit, c'est possible. Alors j'avais noté quelques petites commandes, voilà, allumer un briquet. Tout à l'heure quand j'ai vérifié, quand j'ai checké un peu le jeu, on peut allumer son briquet, c'est toujours sympa ça. Ça ferait plaisir à Hooper de voir qu'on peut allumer la lumière quand on veut. Ça, sa lampe torche quoi. On n'entend pas la voix du personnage, oh là 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 là. J'étais déjà en train de trembler. En me disant que ça allait partir en tragédie comme d'habitude. Alors, sauter. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous connaissent ce jeu? Bonjour Monsieur Tiger. Alors, on est dans des ambiances un petit peu... Ouais, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à Limbo et Inside en fait. Hein. Nous allons voir si ce jeu dispose d'une âme propre ou d'une âme sale. Donc ça j'avais vu, attendez il y a un truc, ouais c'est ça.
ouvrir le soupirail. Ouais, c'est ça. Souviens-toi l'été dernier. Exactement. Hey, ça me donne envie de le revoir, tiens. Attendez, je suis dans le noir tout complet, là. Dallas, il est au-dessus de toi. Ça me le fera chaque fois que je me retrouverai dans des conduits d'aération. Je suis traumatisé par cette scène de Alien. Alors, je peux pas sauter là-haut ? Alors, si j'étais Lara Croft, je pourrais. Hein. Je pourrais faire du wall jump, là, tu sais. Gauche-droite. En deux temps, trois mouvements, j'y serais arrivé. Mais je ne suis point Lara Croft. C'est satanerie, messire. Ah oui, Django, bah oui, moi, écoute, j'ai également récupéré le jeu en gratos, là. Hein, je suis un crevard qui a récupéré mon échantillon gratuit du jeu. Et donc, c'est celui-là que je suis en train de faire devant vous. Mais de toute façon, c'est un jeu que j'aurais été susceptible d'acheter en réalité. Sauf que je connaissais pas vraiment la série, j'en avais pas... Je sais pas pourquoi, elle m'est passée complètement à côté. Mais j'aime bien cette petite ambiance, hein, ça c'est clair. Là, on est clairement sur du inside, en fait. Hein. Enfin, ouais, encore une fois, au niveau de ce que ça rend, mais... On va voir ce que le jeu a à nous proposer d'original et d'atypique. Alors... Visiblement, je peux pas garder ma lampe torche allumée quand je tire un truc, mais ça fonctionne pas de toute façon. Ça fonctionne pas. On bourre les pouces bleus, mais oui, monsieur Cornichon. Oh là 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 là. On bourra vos pouces bleus tout à l'heure aussi, à 20h. Alors, c'était quoi déjà? Parce que j'ai du mal à suivre. C'était quoi le jeu que tu allais faire tout à l'heure? Ah bah oui, Diablo, évidemment. Évidemment. C'est moi la roqueuse de diamants. Non mais, sympa Diablo, hein. Moi j'ai fait le 3, mais dans la plus mauvaise version possible, figure-toi, j'ai fait Diablo 3 sur PS3. C'est un pote qui me l'avait acheté en loose, là, enfin, un exemplaire tout ravagé, mais le disque tournait encore. Et on l'avait fait en coop, voilà, local, sur PS3. Mais après, plus tard, j'ai découvert que eh bien, le jeu, dans toute sa splendeur, rayonner davantage sur PC, hein, ça n'avait rien à voir, genre... Non, ça avait vraiment rien à voir, c'est comme deux jeux différents, quoi. Et donc, voilà, je dirais que si je devais acheter Diablo 4, hein, Diablo 4 qui est en préparation en ce moment même, préparation terminée tournage, eh bien, je le ferais sur PC, parce que ça me semble un jeu PC avant tout. Ça semble logique. Attendez, je suis un petit peu en train d'explorer, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, on a de vieux mégots. Visiblement, c'est l'appartement d'un célibataire endurci, tel que votre serviteur. Ah là 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 là. Alors, c'est quoi ces histoires de rage quit? Grand Cornichon, non, c'est pas le genre de la maison. Hein. C'est pas le genre de la maison. Je sais qu'il va pas faire ça. Eh ben... Mais ça va très bien se passer, ça va très bien. Tu les as tous faits, non, les Django, j'allais dire. Les Diablo, c'est un peu la même chose, hein, tu vas me dire. Les Django. Désolé, Djangouné, c'était pas voulu. Lapsus révélateur et satanique. Ouais, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais fait tout à l'heure pour tester le jeu, donc je suis venu jusque là et je me suis suspendu à la clinche. Voilà, là c'est découverte. Ouais, attendez, je vais peut-être allumer ma lampe, ce sera plus simple. Ah, est-ce que ce serait un trou? Oui, c'est un trou, on peut rentrer dedans. Mais vous me connaissez, je vais d'abord explorer. J'étais à bonne école. L'école des explorateurs. Qui regroupe des noms aussi célèbres que Lara Croft, Indiana et Hooper. Doc qui veut te manger. Mais qu'est-ce que j'ai encore manqué dans le chaton, là? Il se passe des choses. Quelque chose de Tennessee. Alors, peut-être que je devrais tirer ce truc-là. Ah non. Monter dessus? Attendez. Je sens que ça va être une tragédie. J'en ai l'intuition.
Vous allez voir qu'on va être bloqué au bout de 5 minutes, ça va être un live de l'angoisse encore. Alors, Est-ce que je peux prendre ça? Attendez, on dirait qu'il a l'air de s'agripper. Je sais pas si c'est il ou elle d'ailleurs. Petite fille, petit garçon. Alors, est-ce que tu veux bien t'agripper à quelque chose? Ouais, tu veux bien monter là-dessus. Attendez, il y a un truc là en haut peut-être. Est-ce qu'il y a un truc là en haut? Il n'y a que dalle. Attendez, je vais sauter vers la bonbonne. On va voir. Kowabunga. Voilà, attendez, ça a l'air de... Ouais. Bah, c'est bien pour faire les tractions, évidemment. Tu m'en fais 80 par jour. Et dans 3 mois, on en reparle. Ouais, bah, ça n'a pas l'air d'être ça. On n'est pas plus avancé. Sunless Sea sur l'Epic Game Store. Je connais pas, mais si jamais ça vous intéresse... Bah, je connais pas non plus, donc je saurais pas te dire si ça m'intéresse. Mais, ouais. Attends, c'est pas ce jeu. Non, non, moi je confonds avec autre chose, là. Il me semble un jeu que Hooper avait peut-être d'ailleurs fait en coop avec quelqu'un. Pirate Sea, je sais plus trop quoi. Un jeu où tu peux jouer en coop dans des bateaux pirates et explorer des îles. J'ai ouï dire que le jeu était assez sympa, mais un peu répétitif à force. Mais ce n'est pas celui-là dont tu parles. Sunless Sea, je connais pas. Je connais pas du tout. Bon, ben on est stuck les gars déjà. Ça commence bien. Sea of Thieves, voilà. Voilà. Deux titres qui n'ont rien à voir. Attendez, parce que j'ai peut-être pas toutes les commandes là en fait. Hein. J'improvise total. Alors. Paramètres, voyons voir. Hein. On regarde clavier, souris. Donc aller vers le haut, vers la gauche. Sauter, lancer. Et on peut lancer aussi. Sauf que c'est pas les touches de la manette qui sont encodées là. Et je joue à la manette, donc. Ça se traduit comment tout ça? Sprinter, apparemment on peut sprinter aussi. Briquer, s'accroupir, glisser, saisir. Ouais, très bien. Ouais, bon. Bah. On n'est pas plus avancé. Ah, mais voilà. Voilà. Briquer, sauter, lancer. Sprinter, c'est sur X. Saisir, c'est en haut là. Oui, on a vu. Ouais, voilà. D'accord. Apparemment, il y a un truc avec le joystick de droite aussi, là. Qu'est-ce que c'est? Briquet. Attendez. Ah, d'accord, je peux bouger le briquet comme ça. D'accord. Ce qui aide à y voir plus clair. Ça peut être sympathique. Effectivement. Mais je vois qu'il y a une bonbonne, là. J'ai envie d'y foutre le feu, évidemment, parce que je suis un pyromane né. Est-ce que ça va pas causer ma perte? Possible. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? À ma vie, il faut revenir. Hein. Ou alors tirer ce truc-là, mais... Alors, je veux pas qu'elle monte dessus, je veux qu'elle le tire. Oh là 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 là. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Bon, écoutez, on va revenir. Ou alors, il faut peut-être faire quelque chose avec ça. Mais je l'ai déjà allumé, donc... Non, on va retourner. Écoutez, je sais pas. Non, je pense pas pouvoir tirer la lampe. Je ne pense pas. En fait, c'est peut-être toi qui as raison. Non, ça bouge pas de son socle, ce truc. Allez. Un peu de nerf, que diable. Ça fonctionne pas. Bah merde alors. Comment ça merde alors? Attendez, il y a peut-être un truc avec ça. Allume ta lampe. Oh là 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 là. Attendez, on va bien éclairer tout ça. On va bien trouver. Hein. Vous inquiétez pas, mais il faut un peu de temps. Là, on a que dalle. Est-ce que je peux ramasser cette connerie? Non. Mais c'est chiant qu'il enlève tout le temps sa lampe, en fait. Ça, c'est casse-bonbon. On va pas s'énerver. Peut-être que je peux ouvrir le frigo. Note. J'ai pas essayé. Ah oui! Attendez, il y a un truc bizarre dans l'ombre. C'est quoi ce délire? J'ai vu un truc. Attendez, on va se servir de ce truc-là pour monter. Exact. Monsieur Bond. Alors, est-ce que c'est un bug qu'on voit là? Vous voyez à mes pieds, là, il y a un truc bizarre qui scintille, grésille.
mon avis, c'est un bug graphique. Hein. Ah oui, il y en a d'autres d'ailleurs. Ah, c'est peut-être de l'eau qui coule en fait. D'accord. C'est peut-être de l'eau qui coule. Ah non, les sangsues, j'en ai gardé de mauvais souvenirs hein, de Resident Evil 0, donc on va s'abstenir. On va rester le plus loin possible. Ouais, c'est peut-être un bug ou c'était peut-être de l'eau en fait. Sauf que c'était pas méga bien fait. Alors les sangsues, évidemment, ça me poursuit. C'est comme un mauvais rêve. Comme c'est approprié. Hein. Little Nightmares, vous aurez peut-être capté la feinte. Un levier, voilà. Je me sens tout de suite beaucoup plus en confort quand je trouve un levier. Hein, en bon fan de Tomb Raider que je suis. Le levier, c'est un peu le Deus Ex Machina de tous les jeux d'aventure. Ça y est, je suis passé. La reine sangsue. Oh là là là. Ouais, il a même pas fallu attendre la reine. Hein. Moi, j'ai souffert déjà avec chacun de ses sbires. Ça a été pénible. Ah, par contre, j'ai adoré faire le live avec vous tous, hein, mais... Le jeu là, RE0, franchement, il va se passer quelques années avant que j'y retourne hein, quand même. Parce que là, c'était vraiment le charbon hein, pour le coup. Souffrance, quand tu nous tiens. Attendez. Ouais, voilà, ça va, ça va, ça va. Je me disais qu'on allait nouveau être bloqué, mais non, on va pas être bloqué. Donc en fait, la petite salle qu'on a trouvée en bas là, tout à fait sur la droite, c'était une salle troll en réalité. Il n'y avait rien à faire là-bas. Et oui, messire. Ça veut dire que tu peux passer des heures là-bas, attention! Qu'est-ce qu'il fout ce con? Oh là 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 là! Oh merde, je suis dans une espèce de boue gluante! On se croirait dans X-Files, combattre le futur! Merde! Bouge, bouge, bouge! Reste pas là, touche rien! Oh merde! C'est quoi ce truc? On va sauter au-dessus, hein. Je vais pas les toucher ces trucs, je parie que c'est l'instant death là. Attendez, tirez-moi ça! Est-ce que tu veux bien tirer ça? Ah oui, vas-y, pousse, 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 pousse. Oh merde! Attendez, c'est quoi ce saut là? Il s'est pris pour Son Goku? C'est quoi ce délire? D'un seul coup, mon personnage s'est satellisé. Attendez, je vais allumer parce que je vois que dalle. Hein. Attendez. Pas trop difficile de zigzaguer entre les trucs gluants là. Attention, pas sauter, on a compris. Non mais attendez, j'ai fait un saut de 5 mètres ou quoi? Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Alors j'ignore combien long est ce jeu. Donc je sais pas combien de lives il va falloir pour en venir à bout. Ça doit pas être bien long hein, ce genre de truc, c'est en général 5-6 heures. Donc je suis confiant. Hein. Pour tout vous dire, j'ai d'autres envies qui me titillent, qui me taraudent. J'avais pensé dans un recoin de ma tête... à vous faire Breath of Fire 4, figurez-vous. Mais alors ça, c'est un projet à long terme, hein, comme tout RPG. Il faut avoir du cran pour commencer un RPG en live. Pff, bonjour qu'on y est encore pendant 2 semaines. Hein. Donc voilà, je me tâte un peu ce genre de projet à long terme, c'est compliqué quand même. Mais j'adore le jeu. Alors ce serait avec plaisir que je le referais. Merde, attendez. Vu que je vois que c'est par là qu'il faut continuer, je vais descendre. 4 heures, bah oui, voilà, c'est bien... Même Diablo, c'est long. Hein. En réalité, Grand Cornichon, je sais pas si c'est la première fois que tu le fais. Le 1, je l'ai pas fait, hein, encore une fois. Mais je sais que ces jeux-là sont longs. Merde, attendez, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi est-ce que ça s'est éteint? Ça a clignoté comme ça. C'est mon PC qui déconne. Heureusement que nous avons la lumière d'Elendil, puisse-t-elle nous éclairer là où toutes les autres lumières seront éteintes. Allez, vas-y, au charbon! En 3 lives, ça peut être bouclé. Bah ouais, ça dépend un petit peu la durée des lives. Attention, sauter! Vas-y, vas-y, vas-y! C'est trop lent? Ah ouais, je vais pas y arriver comme ça. Ah! Qu'il est con, celui-là aussi. Attendez, faudrait que je trouve un truc pour bloquer la manivelle, là, non? C'est un peu trop rapide. Ou alors, je le tourne plus loin, peut-être. Aurais-je mal agi? Mon jeune apprenti. On va voir ça, attendez. À mon avis, j'ai pas fait assez longtemps. J'étais trop confiant. Donc, on va refaire le même, mais très vite. Vas-y. Sauter. Vas-y, vas-y. Oh là, ah oui, sprinter, on peut sprinter, j'avais oublié. Ok.
temps pour moi, les gars. J'avais oublié le sprint. Forcément, ça risque d'être... Attendez. Ça fonctionne comment, le sprint? C'est pas très rapide, rapide. Hein. C'est pas very, very. Ouais. On n'est pas plus avancé. À mon avis, c'est timé. Tip top. Si je sprint du début à la fin, ça devrait le faire. Hein. Faut pas s'inquiéter. Alors. Ouais, c'est ça. Du coup, il me met la LED pour les noobs. Sprinter pour les nuls. Vas-y, vas-y. Sauter. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, forcément, ça va beaucoup mieux quand tu dois pas t'accrocher à la rambarde. Hein. Et bien voilà. Il a deux petites jambes, bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, j'aimerais bien qu'il l'allume. Hein. Reste allumé. Alors. Peut-être qu'il faut s'accrocher à ce truc-là. Attention! Ah non, ça fonctionne pas. J'aurais pu me casser les rotules. Allez, t'es sérieux? Tu peux pas t'accrocher à ce truc-là? Attends, mais Lara Croft, ça, en 98, elle te le faisait. C'est n'importe quoi. Oh, vraiment, il y en a un, y a encore un qui a pas suivi. Hein. Ouais, si tu veux t'inscrire dans la longue tradition des héros de jeux vidéo qui cartonnent, vaut mieux apprendre des meilleurs. Bon, apparemment, c'était quand même pas le chemin, donc... Attendez, je pense qu'il va y avoir un truc des ténèbres, là, attendez. Il se passe quelque chose. Vous entendez bien le son du jeu, là, il n'y a pas de problème. Ah voilà. Suspension. Un majordome enfermé dans le congélo. Ouais. Le pauvre, il s'en souvient encore. Ce brave Winston, je crois que c'était son nom. Mais attendez, il y a un truc bizarre là. Pourquoi ça clignote comme ça mon écran? Est-ce que c'est un effet visuel dégueulasse? Un peu comme dans RE2 Remake quand vous étiez en train de vous faire becter par un zonzon. Vous aviez l'écran qui clignotait comme ça. Effet tout moche. Je m'inquiète un peu, je me dis est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est mon PC? Oh lo 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 lo. C'est gênant. Si t'étais là, je te lancerais ce rouleau de papier cul pour t'apprendre à vivre. Attendez, comment il fallait jeter d'ailleurs? C'est bien l'occasion de m'entraîner. Ah ouais, comme ça. Ben voilà, grand cornichon, c'est pour toi. Merde! Bah t'es sérieux, attends. Même 100 000 volts, si t'arrives à te décoller de... du truc, normalement tu meurs pas, hein. Peut-être que je dois toucher ça avec du papier cul. Ou peut-être que je dois trouver l'interrupteur. C'est plus probable. Voilà, il y a un panneau, je crois, de contrôle. Peut-être que je dois entasser des rouleaux de papier et monter dessus. Ça me semble probable. Il est probable qu'il faut faire quelque chose et que quelque chose sera fait. Oui, monsieur Chirac. Alors, attendez, je vais me tourner la caméra par là. Peut-être que... La caméra, s'il te plaît. Est-ce que ça fonctionne? Attendez, comme ça... J'essaye, hein, je teste des trucs... Oh là là là, j'espère que c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Alors? Oh là là, pas doué, attendez. Je vais prendre ça, je vais monter sur l'autre, peut-être que ça va m'aider. Mais non, laisse ça tranquille. Voilà. Alors, sauter. Ah, il veut pas sauter, en fait. Oui, d'accord. Quand il a ça, il veut pas sauter. Sinon, je serais monté sur l'un, et puis... Il doit quand même y avoir moyen d'en remonter un, non? Attendez, ça peut pas être si compliqué que ça. I wonder. Bon, je vais essayer de sauter là-dessus. Ça marche même pas, en fait. Ah, d'accord. J'ai fait tout ça pour rien.
Ça ne fonctionne point, messire. Alors, ça veut dire que... Attendez. On va trouver. Ça, le plaisir de jeu, c'est de chercher un peu aussi. Hein. Ouais, ça doit être avec ça. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, d'abord? Ça, c'est la question. Défibrillateur sur 20 ans, ouais. Bon, on n'est pas plus avancé. Alors, tu veux pousser, mais tu veux pas tirer. Ou tu veux... Ouais, l'inverse, enfin. Pourquoi tu veux pas faire? Pourquoi? Tu rigoles ou quoi? Allez, pousse. Mais oui, il veut bien le faire, bien sûr. Mais que d'un côté. On va essayer un truc, je sais pas. Ah non, il y a un mur invisible, d'accord. Ceci s'explique. Oui. Ouais, bon. Bah, j'aurais bien pris un rouleau de papier. Sauf que ça va pas m'isoler du truc, quand même. Ça a aucun sens. Ça m'isolerait? Attends. Si je le jette. Mais non, ça n'a aucun sens. Point d'indice, messire. Je mange pas de ce pain-là. Nous, ici, sur la chaîne, on finit toujours les jeux legit. La triche, les cheats. Les safe states, par exemple. Tout ça, c'est pas le genre de la maison. Jamais de la vie. Bon. On n'est pas plus avancé. Attendez, mais qu'est-ce que vous voyez que moi je n'ai pas vu? Ça n'a aucun sens. Attends. Je vais retourner dans la salle précédente. Des fois que... Ça, je peux pas le pousser, ça. On va pas pouvoir tourner la scène. Ah, attends, peut-être que je pourrais tirer ce machin jusque-là. Attendez, on va essayer, hein, vu que je n'ai pas d'autres idées. Je teste toutes les interactions possibles et imaginables. Allô, il y a du monde. Monsieur Santé. Salut. Bah, ça se passe très bien pour l'instant. Ils disent tous qu'ils ont trouvé la solution et que moi seul ne l'ai pas entreaperçu, mais ça me semble satanerie. À mon avis, il y a quelque chose de louche. On ne m'a pas tout dit. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas plus avancé. Il y a forcément un truc à faire avec le cargo là de mouchoirs de poche. C'est plutôt du papier cul, en fait. Donc, ben, je vois pas. Je vois pas ce qu'il faut faire, mais ça va venir. Mais vous êtes né avec la solution, mais oui. C'est même vous qui avez soufflé la solution au développeur de ce jeu. Je parie. Attendez, je peux refermer la porte? Je peux... Oh, mais putain! Oh là 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 là. Je me doutais bien que c'était une infamie comme ça. Attendez. Oh là 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 là. Non mais, vous l'aviez vu ça? Ou bien vous aviez déjà joué le jeu? C'est pas possible. Elle était cachée derrière la porte. Attends. Ah. C'est chiant, vraiment. Ah merde, c'est timé, attention! J'aurais peut-être dû sprinter. Merde. Ça va, c'est passé. On va pouvoir tourner la scène. Bah merde alors. What? Est-ce qu'il va falloir refaire le même? Ou alors est-ce que je devais traverser le tout sans perdre de temps? À mon avis, c'est ça, les gars, je me suis fait couillonner. À mon avis, j'ai pu pouvoir sortir de cette salle parce que j'ai traîné à regarder les... En même temps, c'est un piège alors, quoi. Ah d'accord, les clignotements, je pense que ce sont les lampiotes là qui lâchent. Sauf que ça n'a pas beaucoup de sens que l'écran devienne tout noir vu que je tiens une bougie. Attendez, mais j'arrive pas à monter. C'est un effet un peu dégueulasse quand même. Hein. Les ampoules qui clignotent comme ça. Attendez, est-ce que je peux monter ou pas? Est-ce que cette perspective de l'angoisse... Voilà, attention,
Bah, ça sert à rien du tout. C'est pas grave. Je suis curieux, c'est tout. Il doit y avoir des petits bonus, non, dans le jeu. Bon, il refait ses tractions. Hein. C'est vrai qu'à la fin du jeu, il devrait ressembler à Vandamme. Bon. Ah merde. Je viens de commettre un attentat terroriste. Ouais. Bah, à mon avis, on est couillonné. Toujours vérifier derrière la porte. Ouais, c'est vrai. T'as raison en plus. Bon, bah, je crois qu'on est couillonné, les gars. On va devoir refaire le passage. Attendez, à moins que... Attendez. Je vois que Monsieur Django est trop impatient. Ça lui perdra. Vilain défaut, tout ça. Non. On va attendre et on va essayer de voir si on peut pas monter par là. En même temps, si j'avais couru à travers la salle en mode sprint, je pense que j'aurais pu atteindre la deuxième grille avant que l'électricité se remette. Hein. Donc on a peut-être loupé un coche là. C'est possible. Ah d'accord, bah tu peux revenir quand t'as foiré ton coup. D'accord, très bien. Je pensais déjà au suicide, mais vous voyez, il y a toujours de l'espoir. Allez, en mode sprint. On passe en mode speedrun, les gars. Vas-y. Voilà, avec la lumière, c'est plus simple. J'ai l'impression que c'est encore plus rapide en sautant, d'ailleurs. Vas-y. Et voilà, parfait. Bon, tu vas pas me dire qu'il y en a une troisième encore. Hein. Non, c'est bon. Bon, on n'est pas plus avancé. Merci, monsieur Cornichon, pour votre visite. Et puis, à plus tard, à tout à l'heure sur ton live. Après ce live, moi, je travaillerai moi aussi de mon côté. Et donc, c'est ta douce voix qui me bercera et m'aidera à me concentrer ou me déconcentrer. Mais c'est toi qui devras te sentir coupable, pas moi. Quoi qu'il en soit. Attendez, c'est quoi ce délire encore? Mais... What? C'est quoi la gorgone qui vient de me figer là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, sans warning là, je me suis fait eu par je ne sais pas quoi. Il doit y avoir une raison. Il est bloqué contre la porte. Attendez, on va la faire doucement, hein, attendez. What? À l'œil de Sauron. Le grand œil qui voit tout. Faut que je repère les endroits où il pourra pas me capter. Bon, rien de bien compliqué une fois que tu sais qu'il est là, mais bon... C'était un peu cheap, quoi, à la base. Faut que je pense à utiliser davantage le sprint. Hein. Allez, vas-y, mais... Oh, mais le con! Oh, il a bloqué contre je sais pas quel élément du décor, là. Oh là. Attends, c'est l'épreuve vraiment bidon, quoi. Le grand œil qui voit tout. Chaque bouffée d'oxygène dans le Mordor... Comme s'abreuver à une source empoisonnée. Qu'est-ce que disait notre ami Boromir? Il y avait un monologue là durant le conseil d'Elrond. Le grand œil ne dort jamais. Figurez-vous que je me suis pas fait plaisir cet hiver avec. Je dispose de la version longue du Seigneur des Anneaux là. Les 3 épisodes et je l'ai pas encore maté cet hiver. Normalement, c'est une tradition. Merde! Bouge de là! Ça va bien se passer. Voilà. Très bien. Non, c'est en version DVD encore. Depuis des années, mais c'est parfait, hein, y a pas besoin de plus.
Non, et voilà. Quand tu possèdes déjà la version DVD, voilà, si je la revendais et que j'achetais la version Blu-ray, ok, mais sinon, j'irais pas racheter spécialement la version Blu-ray. Alors que ma version DVD fonctionne très bien. Un petit morceau de crunch. Ça devrait le faire. Ah oui, c'est clair que si t'as pas le film encore, je recommande d'acheter déjà enfin, la version longue, ça c'est sûr. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, il faut acheter la version longue. Hein. Vous allez pas le regretter. Mais alors prenez congé, hein, si vous voulez les mater tous les trois. Vous prenez congé, 2 jours. Normalement, en 30 heures, c'est fait, quoi. Bon, je sais pas s'il y a une grande différence en Blu-ray, en fait. Oui, sans doute, hein, évidemment. Ça me perturbe quand même, cette histoire de... d'écran qui clignote là. Je me demande si c'est moi ou bien si c'est le jeu. Enfin, quand je dis moi, je veux dire mon PC. Hein. Ah merde, attendez, éteins-moi ça! La visite de Pinocchio. On va pas tarder, hein. Moi, je reste pas dans les parages. J'attends pas de savoir s'il est friendly ou pas du tout. Merde. Va falloir monter par là, attendez. Ouais, c'est ça. T'as pas de clignotement sur le stream ? Peut-être mon PC qui fait des siennes alors. Il va vraiment falloir que je l'emmène en réparation. Hein. Pff, oh là là. Je sais pas qui c'était Pinocchio là. What? What's happening? Jill? Tu peux pas la ramasser, ça? On dirait qu'il a une petite indigestion. À moins que ce soit un alien dans son estomac, c'est possible aussi. Un xénomorphe pourrait se manifester. Un quoi? Un xénomorphe. Je n'ai qu'une seule question. Où est-ce qu'il se cache ? Et ça, vous le voyez quand même, le clignotement, là, Django. Ah ouais. C'est de ce clignotement-là que je veux parler, en fait. Mais c'est les ampoules, hein, du jeu. J'étais en train de me demander si mon PC n'était pas en train de déconner, mais là, je vois que sur la retransmission que ça y est aussi, donc c'est normal. Pas de panique. Alors attendez, si j'ai bien suivi, on vient de me jeter un vieux pilon de poulet dégueulasse, déjà mangé en partie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai mangé un bout. Alors même que j'avais déjà une indigestion, visiblement. Ça n'a pas de sens. Il y avait une petite fin. Je peux le bouger ça ? Ouais, je peux le bouger, donc ça veut dire que je dois probablement ou pas. Si j'arrive à sauter sur le truc directement, alors je le fais. Bah voilà. On va pas s'emmerder. Sauter ! Avec ça, voilà. Il y a des années de Tomb Raider. Hein. Moi, les wall jump et tout, je connais, hein.
Je sais pas pourquoi, il y a sûrement... J'ai l'impression qu'il y aura un trophée pour avoir allumé tous les... Toutes les lanternes, là, je peux me tromper. Par contre... Attention. On va attendre que ça se rapproche. Attention! Ça y est. J'essaie de grimper. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire de là? Sauter sur la gauche peut-être? Non. Sur la droite, pardon. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Bah oui, par ici. Du con. Et là, on a deux leviers pour le prix d'un. Qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, on va commencer par celui-là. Hein, et puis, on va faire ça. Et je sais pas ce que ça produira comme effet, mais on va essayer. Ah d'accord, comme ça. What? Ah, il revient quand même, d'accord. C'est après qu'il va repartir. Attention! Voilà, vas-y. Oh là là, c'est compliqué! Peut-être qu'il faut le faire venir et avant qu'il soit complètement reparti. Il y avait une énigme comme ça dans Limbo aussi, hein, d'ailleurs. Oh merde! Le con! Oh là 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 là. Et on tenait la stratégie en plus. On la tenait les gars. Seulement j'ai fait de la merde. Oui. On n'est pas plus avancé. Alors je reprends d'où là? Oh là là là. Attendez, je vais sprinter quand même. Hein. C'est fini ces conneries. Je dois pas retourner chez Pinocchio, non? Bah non. Ouais, par contre, là, je viens de voir l'écran qui clignote. Et c'était pas... Ça n'est pas apparu sur la retransmission. Donc, il y a vraiment un problème avec mon PC, là. Il est en train de péter un câble. Je vais l'envoyer en réparation. Rien à faire. Réparation... Terminer tournage. Ouais, ça va être un peu casse-couille. Parce que j'ai besoin de mon PC au jour le jour, là. Mais je peux pas trop faire autrement. Alors, ah ouais, ça s'ouvrait pas, ce truc-là. Non mais si tu veux, toutes les 3 minutes ou 5 minutes, j'ai un clignotement noir en fait. C'est pas très grave, mais enfin, l'écran devient totalement noir. Mais pendant un quart de seconde, hein, pas longtemps, mais je me demandais si c'était un effet tout moche qu'ils avaient créé pour le jeu. Et en fait, non. Voilà, tu vois par exemple là, j'ai activé le levier et ça vient de clignoter, ça vient de le faire. Je sais pas, c'est peut-être un effet... Oh merde! Putain, mais c'est bizarre la perspective, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus devant en fait. Qu'est-ce que je dois faire ici? Merde! Loul! D'accord, mais il faut faire quoi ici? Oh là 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 là. Il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. Hein. Je ne vois que ça, il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. Il s'agirait d'avancer un petit peu quand même, parce qu'autrement ça va nous prendre 8 lives encore. Ce petit projet qui devient un projet à long terme. Je flaire l'entourloupe hein, quand même. Je vais voir si je peux pas pousser ce truc dans le vide. Ah
Ah d'accord, on n'entend rien. On n'entend rien, je sais pas si ça a servi à quelque chose de pousser ce truc dans le précipice. Peut-être à alerter tous les gobelins des mines de la Moria. Attendez, peut-être que je peux faire un truc avec ça. Non, c'est juste un petit effet scripté. Très bien. Je sais pas, qu'est-ce que tu me recommandes, Django, là? Tu parles de test avec... Je sais pas comment faire, ce que je devrais faire. Je peux pas pousser ce truc, hein. Non. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Un peu d'élan, ça devrait le faire. Voilà, facile. Merde, mais qu'est-ce que je fous? Je regarde pas mon écran. Oh là 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 là, je regarde le chat et je me fais tomber comme un con. Oh là là là. Il faut que j'arrête avec ça, attendez. Allez. Concentre à natation, c'est quand même pas compliqué. Hein. Par contre, il y a un truc ici. Attendez, c'est... Ce serait pas un levier, ça? Bizarre. Je serais bien tenté de ramener une des caisses pour voir si on peut pas utiliser le levier, là. Je sais que ça n'a aucun sens. Hein. Probablement que c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y a un petit rebord sur le sol pour m'indiquer que je pourrais pas... Voilà. Exactement. Mais enfin... Oh, mais je suis débile ou quoi? Oh, c'est pas possible d'être à ce point empoté. Bon, désolé, les gars. Je regarde à moitié ce que je fais et à moitié le chaton. J'essaye de vous répondre. Et du coup, eh bien, je fais n'importe quoi. Et en plus, il y a un petit problème de perspective, je trouve, dans ce jeu. C'est pas clair. Quand on était tout en haut, là, j'ai trouvé ça bizarre. Genre, tu sautes vers la gauche, t'as l'impression d'être au même niveau que la caisse, et en fait, pas du tout. En fait, t'es à côté. C'est plutôt bizarre. Je sais pas, la gestion de la perspective, un peu étrange, mais bon, c'est pas non plus... Parce que je suis pas très concentré aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais allez, monte. Je vais éclairer, ça va peut-être m'aider un peu. Attendez. Voilà, et maintenant on monte et on redescend plus. Hein. Ça va très bien se passer. Je vais même monter plus haut, attendez. Peut-être qu'il y a quelque chose tout en haut. Ça m'a pas l'air, mais enfin, on sait jamais. Non, un mécanisme à la con. Je vais pas me laisser tomber de là, parce que sinon je suis mort. À tous les coups. Voilà, ça se passe très bien. Voyons voir. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris ? Ouais, je suis en train de me demander s'il faudrait pas... Ouais, attendez, j'ai une idée. J'ai une idée, hein. Bon, je peux me tromper, mais... Mais... Qu'est-ce qui se passe si je me repends à ce truc? Merde, mais allez le con! Mais vous avez vu le problème de perspective là? Attendez, c'est n'importe quoi! Oh! Ah, je suis pas le premier à le dire. Oh là 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 là! Attendez, il y a un souci là, hein, vraiment! Non, parce que je veux bien, hein, je suis un peu con sur les bords. Un peu con-con, mais... On se refait pas. Mais après, il y a un souci de
de perspectives avec, avec ce jeu, clairement. Bon, ben écoutez, il va falloir que contre mon propre instinct, je saute plus sur la droite, en anticipant eh bien, cette espèce d'illusion d'optique qui me donne l'impression d'être au même niveau que la caisse. Mais oh là 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 là, les sauts dans ce jeu, ça va être compliqué, je le sens. Pas grave, on va garder son calme. Ça fait faire la 10e fois que je refais cette scène, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon skill se serait évaporé? Ou est-ce que je n'ai jamais eu de skill? C'est possible aussi. Il est probable que tout le monde a déjà vu ce jeu et le connaît par cœur. Moi, je découvre totalement, donc j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux pour tous ceux qui connaissent bien le jeu. Ah bon. Et du coup, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse encore. C'était sur ma bucket list. Je suis en train de me demander si c'est dans mon intérêt de bloquer le levier. Parce que vous aurez remarqué que quand je le bloque un certain temps, il devient blanc, en fait. Ah, je fais monter. Si je fais pas monter totalement, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque dans cette position. D'accord. C'est peut-être mieux de le faire comme ça. Merde! J'ai cru que je me serais encore fait avoir avec la perspective, là. Mais non, ça va. Mais il y a ça, voilà. C'était quoi le problème? Pourquoi est-ce que j'ai tant galéré pour ce passage à la con? C'était vraiment tout simple. Je ne comprends pas. Bon. Vous savez, parfois, il y a des trucs comme ça. Il faut pas se poser de questions, hein. Oui, attendez. Voilà. Est-ce que je peux bouger ça? Non. Il faut trouver les casiers qu'on peut te retirer en fait. Ah, celui-là, je le savais déjà. Je le savais déjà. Allez, vas-y, viens. Ouais, c'est un peu comme du limbo, du inside, en fait, ça se suit facilement. C'est pas trop prise de tête. On veut faire comme ça. Mais non, tire pas, saute. Très bien. Non mais je crois que le glitch graphique là, que je vous ai décrit, c'est un truc qui concerne le jeu en lui-même, parce que j'ai ça sur aucun autre titre. Donc la version Steam doit être un peu... je sais pas. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Mais monte! Il veut pas monter. On va sauter vers la corde alors. Ah, c'est pas bon! Mais putain! C'est tellement pas clair! C'est tellement pas clair! Oh là là! Bon, je suis dans le noir complet. Quoi, il faut redescendre tout en bas, sérieusement? Mais ça n'a aucun sens. Attendez, vous allez me dire que... mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est peut-être un nouvel endroit, en fait, un nouvel environnement. D'accord. Bizarre, en fait, on dirait que j'ai activé le checkpoint suivant, alors même que je suis mort en tombant, donc... ok, bon, tant pour moi. Ouais, on est bien d'accord qu'il y avait un truc à faire là pour descendre de manière légite.
sans se tuer. Bah, je ne l'ai pas fait et je suis arrivé là. Bon, écoutez, j'espère que ce n'est pas la fin du jeu, du coup, parce que ce serait con. Non, je crois pas, hein, quand même, mais... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, encore? Non, on est de retour là où on était tout à l'heure. Voilà. Seulement, je sais pas comment il fallait descendre de manière legit. Je ne sais pas. Encore des trucs louches, attention. Mais attendez! Oh là 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 là! Regardez, mais je suis complètement planqué! C'est pas clair, hein? C'est vraiment pas clair. C'est pas dramatique, mais enfin, bon, allez. Vous êtes d'accord qu'il y a des choses étranges? Ah, ok. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Bon. Il va falloir se servir de la poubelle. Ah, mais d'accord. En fait, vous voyez la lumière, je pensais qu'elle venait de la poubelle tout à l'heure. Parce que je vois une poubelle qui se rapproche et je voyais la lumière braquée dessus. Donc, je sais pas. J'ai pensé que c'était ça le robot qu'il fallait éviter. Du coup, je me suis planqué derrière. Et pas ici, évidemment. Dans toute la perspicacité de mon esprit. Ça va pas être simple. Prudence. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Je vais me faire avoir. Merde! Mais attendez! Oh là 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 là, cette perspective! Oh, mais n'importe Nawak, là vraiment. Hein. Non, vous êtes d'accord que là, il y a quand même un... Une perturbation dans la force, là, à ce niveau-là. Mais avance, mais du con! Oh là 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 là, il a bloqué con je sais pas quoi, un mur invisible, parce qu'il a effleuré la poubelle. Oh là là. Bon, allez, écoutez, c'est censé être une expérience plutôt contemplative et zen, hein. Alors on va rester... Regardez notre calme, c'est pas censé se passer comme ça. Tout est censé bien se passer. Oh merde! J'ai cru que je pourrais atteindre la poubelle du premier coup. Ok, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. J'ai voulu faire le malin. Ok, tu veux le prendre comme ça, tu veux que j'attende? Eh bien, je vais attendre. Ça va, ça va, ça va. Ça va, j'ai appris ma leçon. C'est bon. Allez, vas-y, tourne. Oh là là. Oh putain, il est allé vite là. Le jeu qui veut me punir pour pas l'avoir joué plus tôt, tu sais. Mais putain! Ah ok, ok, d'accord. Mais... Oh là là, mais c'est quoi ce truc encore? On va pas s'énerver. Ah, les petits passages pas simples, apparemment. Mais c'est tout con. En fait, le problème, c'est pas le passage en lui-même, c'est pas l'idée qui est pas mauvaise. Il y a des trucs comme ça dans Limbo aussi. Mais enfin! Ok, maintenant mon personnage se met à glisser. D'accord. Ouais, bon. Écoutez, je vais pas épiloguer sur le sujet. Il y a des petits problèmes de maniabilité, de jouabilité dans ce jeu. D'accord, quand il fait son sprint, il fait une petite glissade à la fin. Ce qui peut te mettre dans le mal. Donc faut faire attention à ça. Non, parce que des passages comme ça dans Inside, il y en a plein. Hein. Avec les robots et tout.
Allez, on y va. Et tout ça parce qu'on est tombé à cause de la mauvaise perspective, les gars. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord? On est bien sur la bonne marche? Ça va? Tout se passe bien? Putain, vas-y! Je crois qu'il faut pas perdre son temps. Il faut pas perdre son temps du tout. Monte. Voilà. Bah, je l'ai vu venir gros comme une maison. Hein. Ça va. Alors voilà les petits gnomes que j'ai vus tout à l'heure. À mon avis, c'est la fin d'une époque. Peut-être même d'un chapitre du jeu. J'ai vu dans le menu qu'il y avait genre 4 passages, 4 niveaux. Je sais pas si on peut parler de niveau. Je ne connais pas encore la structure du jeu. Donc. Mais là, j'ai l'impression qu'on a franchi un cap. Sauf erreur. J'ai l'impression. Alors attention à la perspective, hein, par contre. Alors j'ai deux choix. Prendre la porte de droite ou... Qu'est-ce que nous avons là? Il y a encore un escalier. Je vais pas l'oublier. Hein. Je vais essayer de... C'est quoi ces trucs? Le monstre dans le placard. Attendez, peut-être que je peux tirer des casiers pour monter encore. Ah, on dirait que oui. Là, je peux pas. Peut-être avec ça. Mais en fait, attendez, avant de continuer, j'ai envie d'aller voir ce qui est en haut de l'escalier, là. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Je ne sais pas quel est l'ordre, du coup. Faut choisir. Attention à la perspective. Ah, mais du coup, ça a l'air d'être la suite du niveau. Qu'est-ce qu'il y avait à faire en bas, là? Encore une salle troll, peut-être. Peut-être qu'il n'y a rien à faire ici, en fait. Bon, écoutez, on va faire la salle, du coup. Ça me rappelle l'âge des ténèbres de Tomb Raider. Vous savez, quand vous étiez bloqué dans un niveau de Tomb Raider et qu'à un moment donné, après des heures et des heures de recherche, vous trouviez un nouvel endroit. Et puis qu'à la dernière seconde, vous découvriez qu'en fait, c'était un secret. Donc un passage totalement optionnel du jeu. Alors là, vous vous sentiez bien dégoûté parce que vous aviez l'espoir que vous alliez enfin pouvoir avancer dans le niveau. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc c'est pour ça que les secrets dans Tomb Raider, ça a toujours été un peu compliqué. On a un rapport ambigu avec les secrets dans Tomb Raider. On est content d'en trouver, mais quand on est bloqué, on n'est pas content d'en trouver. Si vous me suivez. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à foutre ici en fait. Hein. C'est encore un troll. Ouais. Écoutez, on va enchaîner moteur, hein, s'il vous plaît. Ah, retrouver les petits persos avec les chapeaux pointus. D'accord. Ils se cachent dans l'ombre. On a vu qu'il y en avait un par ici, mais je sais pas. Si ce n'est que optionnel, je m'en fous un peu, en fait. Si c'est comme les Mudokons dans l'Odyssée d'Eb... Attendez, il se passe un truc. Ah. Ok, d'accord. Mais du coup, il y a tout un passage en haut aussi. Ah, il y a un truc là-bas. Il est là. Viens là, du con. Il est où ce con? Viens là. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Bon, attendez. Je vais prendre ce truc. Essayer d'ouvrir ça. Je peux pas? Non, je peux pas. Alors on monte là. Mais... Oui, mais encore.
On dirait que c'est un bouton et en fait pas du tout. Bizarre. Attendez, je vais essayer un truc. C'est du bonus. Bah écoutez, je suis pas contre, hein. C'est juste que je ne comprends pas. Vous savez, je vais me mettre ici sur la chaise et je vais essayer de sauter directement sur le bouton. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être... Mais tire la chaise. Voilà. Par contre, on voit que dalle. Non, je sais pas. Je me suis imaginé dans ma tête qu'on pourrait peut-être... Ah mais voilà. Mais c'est pas clair leur truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as des bestioles qui dorment sur des lits. Ah, mais monsieur Gameroldis qui nous fait l'honneur de sa présence, tout de même. Ben, ça va. Jusque-là, ça va, Gameroldis. Après, il y a des problèmes de maniabilité, enfin, de jouabilité dans ce jeu, quand même. Petit problème avec la perspective. Ça complexifie à outrance des passages qui autrement seraient vraiment très simples en réalité. Il n'y a rien de compliqué, on n'a rien fait de spécial pour l'instant. Mais la maniabilité peut jouer des tours, donc méfiance. Mais sinon c'est sympathique. Jusque là c'est sympathique. Voilà. Je demande à voir. Hein. Bon. Pour l'instant on est au début donc. Il n'y a rien à signaler. Mais une direction artistique sympathique, quand même, hein, à noter. C'est joli. À mon avis, il va falloir pousser ça, tirer ça plutôt. Bah oui, écoute, je le joue parce que je l'ai reçu gratuitement, comme tout le monde sur Steam. Et bah j'en profite pour découvrir ce que c'est que cette série de Little Nightmares. Et puis si j'aime bien le premier, peut-être que je ferai le 2. C'est pas du tout impossible. Alors là, si on était dans Inside, genre j'aurais abaissé le lit et il se serait remonté tout seul au bout d'un certain temps, en me broyant au passage. C'est le genre de truc, de passage qu'on a dans Inside. Je suis étonné que ce soit pas le cas ici. Bon, je vais monter tout en haut. J'ai vu une clé sur la table. Est-ce qu'il faut la prendre, cette clé? Attention. J'ai envie de prendre la clé, moi. Ah, il y a une clé là en bas. Attendez. Est-ce qu'on en a besoin ou c'est du décor, peut-être? C'est peut-être juste du décor, hein, les gars. On dirait que je peux rien faire d'ici. Attendez. Non. Bah, il a été gratuit sur Steam pendant quelques jours. Jusqu'au... Je sais plus. En janvier. Pendant 5 jours, c'était gratuit. À l'occasion de la sortie du deuxième, en fait. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça? D'accord. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Merde! Au moins, je me suis pas cassé une cheville. Alors, une clé. Oui. J'ai l'impression que ça va être encore une couillonnade, hein, cette histoire de clé là. Je vais essayer de monter là, on va voir. Ouais, ça fait quelques semaines qu'il est dans ma bibliothèque Steam. Je ne l'ai pas encore joué parce que je me suis dit que ce serait peut-être un chouette truc à faire en live. Et surtout parce que c'est un jeu pas trop long aussi. J'aime bien faire des jeux qui durent 5-6 heures, voilà. Parce qu'alors tu le fais en 2-3 lives et t'es bien quoi. Tu peux faire l'entièreté du jeu, proposer l'expérience complète à tes viewers, voilà. Sans pour autant t'engager dans un processus au long cours avec un RPG
Bah, je veux dire, Django, toi, tu fais des RPG, par exemple, mais tu les fais pas en entier. Et encore heureux, parce que chacun des RPG que tu nous as montré récemment faisait certainement 30 heures à l'unité. Donc, au final, tu en aurais eu pour... tu serais encore là jusqu'en 2022. Hein. Ah, merde! Je me suis cassé le col du fémur. Non, tu aurais été là pour des mois de stream. Il n'y a que le Hooper pour oser faire un truc pareil. Tu sais, pour s'engager sur un RPG qui va lui prendre 50 heures à la pièce, là, ouf, faut être motivé. Hein. Écoutez, on va essayer... Mais en quoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser le levier, là? Qu'est-ce qu'il avait activé? C'est ça que j'ai pas compris. On va refaire. On va refaire et je vais sûrement trouver... Oui, 30 heures en faisant le scénario principal, bien sûr, à la manière de Hooper. Ah oui, voilà, c'était pour le lit, mais pourquoi le lit, en fait? Puisque, de toute façon, je peux monter sur les armoires avec la caisse, avec la valise. Pourquoi est-ce que je m'emmerde? C'est une vraie question. Bon, on a vu qu'on pouvait transporter la clé, mais j'ai l'impression que c'est du troll encore. Je vois qu'il y a du papier peint qui se détache. Ça me donne l'impression qu'on pourrait presque passer derrière. Merde! J'ai pas voulu faire ça. Oui. Merde, non! Oh là 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 là. Heureusement que j'ai mon crunch. Pour meubler tout ça. Et pour me consoler de mes défaites. Hein, parce que... Sinon, c'est pas simple. Bon, allez, moteur. Moteur, docteur. Oh là 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 là. C'est ma voix qui t'a encore bercé. À l'époque où Nolwenn Leroy a sorti son premier album. Figurez-vous qu'il a eu bon, un succès, un certain succès en France, mais là où la carrière de Nolwenn Leroy a vraiment éclaté, en fait, c'est quand une étude américaine a révélé que sa voix avait des vertus guérissantes et qu'on a commencé à distribuer son album dans toutes les maisons, dans tous les hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Et c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Donc à partir de ce moment-là, Nolwenn Leroy a commencé à vendre plein d'albums aux États-Unis. Et je dis ça parce que je crois que ma voix a sur le docteur le même genre d'effet apaisant. Ça le met dans un état où il roupit comme un loir. Donc, attention, qu'est-ce qu'il fout? Il est neurasthénique ou quoi? Il a besoin d'un petit album de Nolwenn, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'il fout? Une poupée, je déteste les poupées. Attendez, c'était quoi ça? Un espèce de vieux bonus. Attendez, on dirait que ça a laissé un morceau, là. Je vais aller voir ce que c'est. C'est quoi? Ouais, bon, peut-être que la chanson cassée en elle-même, c'est pas la plus relaxante. Ouais. Bon, elle est pas plus avancée. On dirait que cette espèce de poupée a laissé des petits fragments, là... Ah mais je peux bouger la caméra, ça peut m'aider ça aussi, entre parenthèses. Ça passera. J'ai pété le collectible. Oh merde alors. Ah mais il fallait le péter, c'est ça que tu veux dire. La collection consiste à casser la collection. Alors le plunger, là, je peux pas la récupérer. Je ne sais pas. Je vous jure que je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut foutre ici? Sauter sur le lavabo, peut-être? Non, fais pas n'importe nawak. Déconne pas, Lara. Je foutre ça au sol, on sait jamais. C'est quoi ce truc, en fait? Il y a des objets qui servent à rien, alors c'est difficile d'y voir clair. Ah, ça me fait plaisir par contre. Hein, à défaut de mieux... Attendez, est-ce que ça casse si je vais être sur... Non, sur le lit ça va. Ah ça c'est réaliste par contre.
Ça, c'est pas mal. Et peut-être que je vais débloquer une caisse. Hein, c'est peut-être ce truc-là qu'il fallait bouger, en fait. Ou pas du tout. Pas du tout. On dirait que le rebord de la table peut se déplier, vous voyez. Ah, c'était vachement haut, en fait. Et du coup, j'ai foutu le boxon. Oui, il y a une clé, d'accord. Ouais, j'ai vu la clé, Dottor, mais t'as vu la serrure, toi? Elle est où, la serrure? À point de serrure, par ici. C'est ça, le truc. Parce qu'en plus, le problème, c'est que quand j'ai une clé entre les mains, je peux pas grimper. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va remonter le lit, parce que j'ai peut-être l'impression qu'il pourrait y avoir un truc. Mais comment est-ce que je peux remonter le lit? Est-ce que je peux remonter le lit? Vraie question, ça aussi. J'ai pas assez de force pour remonter le lit, hein, ça n'a pas de sens. C'est pas possible, ça. Bon, ma clé est là. Attendez. Est-ce que je peux remonter? On dirait bien que non. Ça rebondit peut-être un peu, ce truc-là. Attendez. Pas du tout. Mais... je suis bigleux ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Par contre, ils ont de petits problèmes d'humidité. Ah, lavabo. D'accord. J'ai réussi à atteindre le lavabo. Est-ce que je peux atteindre... genre... si je déclenchais le robinet, je pourrais inonder la salle. Et l'eau, en montant, pourrait me faire accéder à de nouveaux endroits. Peut-être. Ça, c'est très Tomb Raider aussi. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Dans le trou des chiottes. Le trou des chiottes. Attends, j'ai monté là-dessus. Ah merde! Je suis dans la bassine où on lave ses parties intimes, j'imagine. Ou le panier à linge, je sais pas trop ce que c'est. La bassine des chiottes. Non mais allô. C'est pas ça la solution. D'ailleurs, je peux même pas... tu vois, je voudrais relever le couvercle, mais je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Oh là là, Capitaine Bigleux is back. Attendez, tu vas me dire que quoi? Attends. Capitaine Bigleux is back. Une serrure, mais sûr. Non mais enfin. Peut-être que ce serait plus simple si j'allumais ma lampe. Hein. Je verrais peut-être mieux. Allez, faisons un petit tour de des lieux. Ça va peut-être m'aider à comprendre ce mystère. Alors quand tu dis que tu te sens moins seul, mais allez enfin, non mais vous me dites, vous me charriez là. Comme si je voyais pas quelque chose d'obvious, mais il y a que dalle, je suis dans une salle avec des chiottes, attends. Il y a des toilettes. Bah, il y a un espèce d'œil là, le grand œil de Sauron en portrait. Mais ça je l'ai vu, mais c'est pas vraiment une serrure ça. C'est une vieille carte postale, je sais pas. Hein. C'est pas une serrure, ça, quand même. Écoutez, on va essayer, hein, mais ça me ressemble pas à une serrure, en tout cas. Et puis, je peux pas sauter avec ça, en plus. Je ne peux pas sauter avec la clé, les gars.
Mais le problème, c'est que je peux pas. Tu vois, attends. Allez, vas-y, jette ce truc. Dans mon chemin, ça m'énerve. Voilà. Regardez, en fait, le bouton de saut, je peux pas l'activer quand j'ai la clé en main. Quand j'ai la clé en main, le bouton de saut fait ceci. Donc, je n'ai aucun moyen de sauter avec la clé en main. À imaginer que je puisse sauter assez haut pour mettre la serrure dans le trou. Qui n'est d'ailleurs pas là, hein, entre parenthèses, loul. C'est juste une photo de je ne sais pas trop quoi. Un orifice quelconque, on va pas se poser des questions. Ouais. Ah oui, bien sûr, j'ai des trucs à faire. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, j'aurais bien aimé élucider cette salle, tu vois. J'ai prévu de faire 3 lives d'une heure, une heure et demie, comme ça, voilà. Mais bah là, je suis bloqué. Je suis bloqué. On va remonter en haut du truc, là. Allez. J'aurais peut-être une vue d'ensemble de la situation. Il y a un type là, ok, on l'a vu. Est-ce que je peux m'agripper aux armoires qui sont par là? Attendez. Oui? C'est bizarre ça. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? C'est pas très clair, on va pas se le cacher, c'est pas très clair. Ouh là là, j'ai cru que j'allais mourir. Bah, voyez, il y a ça par exemple. Le papier a l'air un peu abîmé. J'entends un bruit suspect. On dirait que les développeurs ont implémenté un espèce de bruit. Ah, mais regardez! Oh là 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 là! Fallait tout simplement pousser cette connerie. Non mais là, ça, si vous l'aviez vu, les gars... Enfin, je sais pas, hein, vous avez la vision rayon X, peut-être. Mais moi, je l'ai pas. Hein. D'accord, bon. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il me veut? Mon téléphone. Ah. Petit message. Rien d'important. D'accord, alors la clé, je l'ai entre les mains, bien sûr. Voilà, on la monte. Bah, décidément. Alors, GamerOldies, qui connaît bien le jeu, est-ce que tu peux me dire si... Attendez, qu'est-ce que j'ai là, sur ma tête? Qu'est-ce qui m'arrive? Genre, le jeu se découpe en chapitres ou en niveaux, quelque chose comme ça? Et si oui, est-ce que je suis à la fin d'un chapitre ou d'un niveau, ici? Comme ça, ce serait bien que je fasse un chapitre entier. Donc, mais je ne sais pas trop. Si tu peux me dire ça, si tu connais le jeu. ...30 minutes dessus, non mais attendez. Faut arrêter. Ça se fait pas non plus ça. En plus, normalement, je suis censé foutre le feu à tous ces cartons, là, avec ma petite... avec mon briquet, franchement. C'est pas réaliste, votre jeu. Je ne vous félicite pas. Bon, un petit switch de l'enfer. Maintenez A pour lancer un objet que vous portez. D'accord, il va falloir lancer ça là-dessus alors. Sauf que... Ah, c'est quel bouton? C'est celui-là, évidemment. Ah, mais c'est tout ce qu'il faut faire. Oh là là là. Oui? Je prends mon petit joujou avec moi. Parce que je l'aime bien, mon joujou. Et d'ailleurs, j'en ai besoin. Par contre, c'est un peu téléguidé, leur bazar. D'habitude, j'arrive jamais à lancer les objets aussi haut. Et là, c'est genre, je fais mouche à chaque... malgré la perspective douteuse. Donc, à mon avis, c'est un petit peu scripté. Un script déguisé. Ouais, d'accord. Bah, on va essayer d'arriver à la fin de cette section. Je sais pas, il doit y avoir un truc.
Là, le xénomorphe est presque arrivé à maturité. Je vais bientôt avoir un chest burster. Oh là là là. Ferait bien de prendre un doliprane. Allez, petit, ça va bien se passer. Ça a l'air douloureux, son truc. Hein. Il faut peut-être qu'il mange un petit quelque chose. Ah, ça me semble bien frais. Allez. Une petite fin. Fais-toi plaisir. Ça va mieux, hein. Un petit peu de viande avariée. Ah d'accord. C'était Monsieur Freddy Krueger qui est venu nous faire un petit coucou. Ben, ça me semble parfait comme fin pour cette partie. Hein. Comme ça, on se fait des petites parties pas trop longues sur un jeu pas trop long. Et en plus, c'est très cinématographique. Ce sera parfait pour reprendre la prochaine fois. Alors, est-ce que je dois sauvegarder manuellement ? Recommencer depuis le point de passage. On va voir. Recommencer depuis le point de passage. Voilà. Ce sera donc d'ici que nous reprendrons la prochaine fois. Voilà. Et donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Hein. Pas trop long. C'est fini de ces formats hyper longs avec des lives de 7 heures là sur du RE0. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Clap de fin, éventuellement mode. Et par contre, est-ce que le docteur ou le gamer ou je ne sais quel autre sagouin supersonique vont nous faire un live maintenant en attendant notre ami JKN qui va reprendre Diablo à 20h? Est-ce que quelqu'un reprend le flambeau? Vous avez 1h30. Voilà. Bah, manifestez-vous maintenant ou taisez-vous à tout jamais. Un esprit de déduction vraiment peu commun, ouais. Bah, c'est pas ma meilleure performance, mais c'est pas ma pire. Hein, on a vu pire. Mais je crois que parmi mes meilleures performances, ça aurait été quand même, je vous renvoie, hein, pour mon skill sur les lives Lara Croft Go qu'on a fait, qui était vachement complexe. Et je l'ai fait, bah, il n'y avait pas de save state, évidemment. Je l'ai fait legit, sans tricher. Et j'avais le chat Solus, mais la plupart du temps, c'est moi qui trouvais les solutions tout seul. Donc j'étais assez fier de cette réussite, d'autant que c'était vachement chaud. Hein. Ouais. Sinon, monsieur Gamerolis, bien j'aurai d'autres choses dont je dois vous entretenir en privé. Voilà. Et puis, en attendant, ben voilà, manifestez-vous maintenant si vous avez envie de live. Bah pour une première run, c'est surtout que je le fais à l'aise. Hein. On est là pour se détendre, les gars. Hein, on va pas se prendre la tête. On va pas se foutre trop de pression. Ça ne sert à rien. Ouais, c'était cool encore ce live. Ah, t'étais là, hein, Django, c'est vrai, t'étais là. Enfin, je crois que t'étais là. Surtout le long. Hein. Ou bien t'es arrivé en cours de route, je ne sais plus. J'ai fait ça en septembre, si je me trompe pas. Lara Croft Go. J'ai pas été déçu du jeu. Hein. Mais... Ah, si c'était à refaire, je l'aurais fait sur PC, justement. Je l'aurais fait sur PC parce que ben, j'aurais eu une meilleure capture du son et tout. Et à mon avis, il doit être trouvable sur... comment ça s'appelle ton truc? Instant Gaming, Gamerholdies, où tu peux trouver les jeux à prix discount. Donc à mon avis, il y avait moyen de le trouver à 3 ou 5 euros, là. Le Lara Croft Go, bon, il m'a pas coûté cher sur PS4 non plus. Hein. C'était genre 5 euros aussi, donc... aucun regret, si ce n'est que comme j'ai pas de carte de capture, enfin de... Allez, comment vous appelez ça maintenant? Vous m'avez compris, hein. De trucs d'acquisition, de boîtier d'acquisition, voilà. Comme je n'ai pas ça, ben forcément, si je capture directement de ma PS4, la qualité est pas top. Voilà. Merci, monsieur Sony. Instant Gaming, ouais. Faudra que je...
que j'étudie un peu la question parce que j'ai l'impression qu'il y a des pépites sur Instant Gaming. Pas mal de jeux un peu de niche comme ça, donc voilà. Et sinon, ben, j'étudie un petit peu la question du remote gaming sur Steam. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même, hein. Ça permet à, lorsque vous avez un jeu en multilocal, je crois qu'il faut qu'il y ait ce mode-là. Voilà, il faut qu'il y ait un multilocal. Oui, mais on a déjà parlé avec Game Worldies, donc, ben, qui permet de partager votre jeu, un jeu que vous possédez, dont vous avez la licence, avec un de vos amis, hein, donc qui ne possède pas de copie du jeu. Et ce, gratuitement. C'est quand même assez chouette comme principe, hein. Il doit y avoir certainement quelques perles multilocales qu'on puisse jouer comme ça à plusieurs. Et apparemment, c'est bien fait. Donc en fait, ça pourrait le faire pour du Stranded Deep ou pour autre chose, avec l'un ou l'autre qui aurait envie éventuellement. On pourrait peut-être imaginer de se faire un co-op là-dessus. Et le pire, c'est qu'il ne vous faut même pas un PC puissant, puisque vous avez simplement en fait une retransmission vidéo. Et apparemment, il n'y a pas trop de temps de latence, donc au niveau des commandes. Parsec, ça reste une des meilleures façons de jouer à plusieurs, ouais. Mais ça peut être bien Parsec, mais le problème de Parsec, c'est que, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, tu donnes un accès à tout ton ordinateur, à la personne qui est de l'autre côté, tu vois. S'il fallait faire confiance à un seul système, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Steam. Parsec, je connais pas perso, donc je ne saurais pas te dire. Mais je sais que donner mon accès à distance, accès complet à mon PC à distance, ça, c'est pas quelque chose qui me tente, tu vois. Il y a quand même, enfin déjà je pourrais pas me le permettre, mais parce que j'ai des trucs confidentiels dessus. Mais bon, même si c'était pas le cas, il faut quand même vachement connaître les personnes, hein, pour je veux dire, voilà. Enfin, je sais pas, ça me semble. Steam a l'air d'être bien verrouillé à ce niveau-là. Donc seul l'accès au jeu est autorisé, apparemment. Hein, apparemment. Hein. Je sais pas. Si jamais vous avez des retours, hein, s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué en remote play sur Steam, ah, peut-être que vous pourrez me donner un retour. Comment ça se passe d'un côté comme de l'autre, hein, de celui qui partage et de celui à qui le jeu est partagé. Ça m'intéresserait. Donc voilà. L'hébergeur doit avoir une bonne connexion. Bah oui, sans doute, hein, sans doute. Après, ma connexion n'est pas très mauvaise, hein, elle est plutôt bonne même. Mais c'est pas la fibre. C'est vrai que j'ai pas la fibre. J'ai essayé de me la procurer, mais ça n'existe pas. Voilà. À Bruxelles, ni en Belgique, pas de fibre. Ah bon, je l'ai déjà dit. Et donc le docteur s'est rendormi, évidemment. Hein? Ah d'accord. Le petit docteur va nous faire un petit live assez court. Ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Eh bien écoutez, alors je vais couper. Je vous renvoie sur le live du bon gros docteur. Et on se retrouve tous là-bas. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? À plus!